Salut à tous les amis, c'est Captain Geek. Nous sommes au 8e épisode de Factorio. Au dernier épisode, on avait fait un peu de défense. Alors, je ne sais pas si on peut les voir parce que j'ai installé un radar. Hop, ici, on a fermé un peu là, ce passage. Bon, en bas, j'ai mis ça histoire 2, mais pour l'instant, il n'y a rien qui va attaquer. Mais là, on était en train de polluer un village de bestioles, un nid de bestioles, qui va forcément attaquer vers le bas. Enfin, je ne les vois pas faire le tour en tout cas. Au pire, c'est fermé. On a fermé un peu là, là aussi. De ce côté, on a éradiqué un village qui était à côté. Donc là, la pollution est assez loin quand même des villages. Je vais plutôt les appeler les nids. Et de ce côté, la pollution monte là. Alors vous voyez ici le fait qu'il y ait des forêts comme ça, ça réduit vachement la pollution quand même. Hein, qu'on ait des grosses forêts autour. Hein. Quand ça clignote, c'est que ça se fait manger la pollution par les arbres et les bestioles. Mais les bestioles, elles, quand elles mangent la pollution, ben, elles n'aiment pas ça, elles viennent nous rentrer dedans. Ce que j'aimerais bien faire, c'est, vu que je pense que de ce côté, je ne vois pas des bestioles passer comme ça. Ben, on aura la surprise. Mais j'aimerais bien me récupérer ça et ça. Et peut-être en profiter pour justement voilà, faire des bases de défense autour. Comme ça, tout ce qui arrive de ce côté va automatiquement attaquer les bases. Quitte à fermer là et que là, ça aggro par là. Donc ici, je ne vais pas mettre des chemins de fer comme j'ai dit. Je vais mettre des convoyeurs. Hein, ou des tapis roulants, peu importe comment on les appelle. Parce que je pense que c'est beaucoup plus simple en termes de ressources. On s'évite de faire un train, le chemin de fer, etc. Donc, et puis les bestioles ne vont pas attaquer au milieu, quoi. Enfin, on sait qu'elles vont pas passer. Parce que là, si on avait fait un convoyeur, les bestioles, elles attaquent les convoyeurs. C'était quand même super risqué. On a l'uranium aussi. Il faut y penser à l'uranium parce qu'on a besoin d'une centrale nucléaire assez vite. Parce que là, on est bourré de centrales à vapeur. Et même si j'en ai rajouté plein, bon, ça, vous avez vu au dernier épisode, j'ai dû en rajouter plein parce que ça bloquait, quoi, en énergie. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'en termes de recherche, pour l'instant, on n'a pas besoin de la nouvelle popo. D'ailleurs, elle est pas très loin là. Je crois de mémoire qu'on s'en était occupé. Ouais, on avait fait déjà celle-là. On avait un peu galéré. On a tout installé ici. Hein, ça en fait plein, plein d'usines. Allez, on va se récupérer tout ce qu'il faut. J'ai pas mal déjà de métal comme ça. Si j'ai besoin de faire une future base, il faut que je croque un max de métal. Et je vais tout prendre. Le cuivre, j'en ai plus. Bon, je vais aller plutôt le ramasser que marcher sur les convoyeurs. Je pourrais marcher sur les convoyeurs, mais autant vider celui-là. Voilà, j'en ai même beaucoup. On avait fait l'armure, je l'avais pas mis. Hop. Je vais pouvoir la virer, l'ancienne armure. Il faudrait que je fasse des grenades aussi. Et je me prends un peu de charbon comme ça à l'arrache. Et on va faire ouais, 17 grenades, hein. C'est pas énorme. J'aurais pu aller en chercher aussi. Hein. Les tourelles mitrailleuses, hein. On va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a les lance-flammes, mais bon, faut emmener l'essence là-bas au fond ou faire des systèmes de transport. Bon, on va se débrouiller sans pour l'instant. On n'a pas les obus pour le tank, donc je pense qu'il faut d'abord rechercher le tank. Parce que le tank peut avoir une mitrailleuse, enfin un genre de fusil d'assaut, un canon qui tire des obus, explosif ou perforant, le mieux c'est explosif. Hein, et le lance-flammes, bon, le mieux c'est quand même d'avoir les obus explosifs. La petite caisse où je mets le bordel, elle est là-haut. Ça a de la gueule cette armure. Bon, on voit pas grand chose. Il n'y a pas des conneries que je peux mettre là. Là-dedans. Ouais, celui-là, je peux l'enlever. Ouais, on a des rails à gogo. Ça va le faire. Faudrait peut-être faire un peu de munitions pour mettre, à mettre aux mitrailleuses le temps de. Où sont les balles? Ah là. Non, c'est les perforantes, ceux-là, ouais. Ouais, ça envoie des perforantes. Je voudrais les classiques, s'il vous plaît. Là, voilà.
Bon, ok, allez, une centaine, ça va le faire, ouais. Donc ce qui est bien, c'est que les convoyeurs vont arriver par là, et on a le charbon direct et le métal là. Donc je peux faire en sorte que ça se rejoigne. Pour l'instant, on est bien. Je les mettrai provisoirement. Hein. Je vais pas les connecter tout de suite, sinon ça va jamais manger ce qui est là. Ça va bloquer en fait, enfin ça dépend. Hein. Enfin que je le mette avant, en amont, en aval, ça va bloquer. Je voudrais que ça soit vidé quand même ici, en priorité. Mais au moins ça sera fait, et surtout ça fera de la défense en haut. Bon, il me faudrait les grenades dans la main, parce que je sens que je vais pas pouvoir faire des convoyeurs avec tout ça. Si je passe, c'est en plein milieu là. Bon, pas besoin de tirer deux fois maintenant, elles ont été augmentées. Je sais pas si je suis bien là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Bon, on a ça. Et lui là. Je vais m'occuper de lui en premier, je pense. Bon, les tourelles, elles sont pas encore prêtes. Faudrait peut-être que je fasse un peu de ça. Où est-ce qu'ils sont là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai pas fait les bons. C'est pas drôle sinon. Hein. J'ai enlevé une tourelle. Hop. Après ça traîne dans l'inventaire. Il n'y a pas trop de système de recyclage. Alors s'il y en a un, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant tu peux recycler comme ça. Mais de ce que j'ai vu, il faut tout mettre dans une caisse et si on est embêté, on balance des grenades sur la caisse pour la détruire. Voilà, pas trop de système de recyclage. Alors, comment ça se passe ici? Voyons la carte. Ouais, je peux pas trop fermer. Au pire, ça va être derrière que je ferme. Mais ça, c'est ça qui va gros, je pense. Hein. Faudrait vraiment qu'il y ait des bestioles là qui passent comme ça. Ou des bestioles là qui passent comme ça. Je me demande si elles aggroupent pas ici. Bon, il me faut des défenses là, de chaque côté. Là, j'ai le charbon. Donc, si je ferme ici, je peux mettre un système de défense ici et un là. Je pense que ça peut le faire. Bon, je vais fermer après. Là. Ouais, déjà, les bestioles, elles se font aggro là. Elles se font aggro par en bas. Est-ce que j'en mets autant là? Ouais. Ensuite, là j'en ai mis combien? 8? Ouais. Là je vais en mettre là. C'est vachement près là. J'aime pas ça parce qu'il faut que je puisse croquer le métal quand même. C'est pas grave, au pire je me débrouillerai. Ça gêne. Alors là j'en ai, il m'en manque une. Là j'en fais, je sais pas, j'espère que j'en fais assez. Bon, c'est pas mal. Comme d'habitude, on va anticiper de quoi recharger tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que là, vu que j'ai pas de train pour ramener du métal et que j'ai pas envie de faire les allers-retours moi-même, ici on va mettre directement peut-être une foreuse qui envoie du métal brut à un four électrique. Faut voir un peu où est-ce que j'en suis des fours électriques. Au pire, je mets du charbon... avec une boîte et un bras, et le charbon ça va durer 150 ans. Pour que le four me fasse des plaques de métal, et hop, et j'ai une usine alimentée. Bon, faut voir un peu comment ça se passe, mais j'avais fait ça dans une partie et ça marche bien. Si je fais l'usine, je vais plutôt la faire en bas. 37, je vais pas aller loin. Ouais, comme je disais, je vais pas aller loin. J'aurais dû en croquer en passant, mais... Oh, je les ai tous fait. Non, mauvaise touche. Je vais plutôt en faire manuellement comme ça. Les bras, je suis comment? Je suis pas dégueu. Je suis pas dégueu. Allez, parfait. Bon, le temps que ça les fasse, hein, on va mettre des bras. Et ici, je vais les faire, oh, je peux les faire quasiment, le truc qui tourne. Il va tourner là, oh, plutôt là. Hein. Parce que là, je vais l'avoir ici, il va faire un coude, il va passer là. Là, il y a le bras. Ok,
Allez, on va en mettre là. C'est qu'elle soit un peu voisine, mais là c'est bien déjà. Alors, j'en ai combien? J'en ai 8. Il y a un trou là. Mais je verrai. Au pire, je décale un tout petit peu. Bon, ça a l'air pas mal. On est encore en train de faire tout ça. Bon, je suis pas sorti, mais j'ai plein de trucs à faire quand même encore. On peut faire un peu les câbles électriques. Je peux en prendre 3 là. Non. Là, j'en ai que 2. Ouais, faut que j'en mette à chaque fois comme ça. Pas le choix. Sniff, hop. Ok. Maintenant, on va mettre les murs. J'ai 67 murs. Hein. Je suis pas bon dans tout ça. Là, je suis parti un peu comme un touriste. Hein. Donc, il va falloir aller chercher de quoi faire des murs. Hein. J'avais pas des portes là. Une petite porte au milieu là que je puisse passer quand je me promène. Voilà, au moins que je fasse pas le grand tour à chaque fois quoi. Ici. Et j'en ai plus. je voudrais revenir en voiture ici là. Je vais aller chercher des trucs hein, et je vais revenir en voiture. Parce que là, le temps que ça fasse tout ça. Par contre, faut pas qu'on se fasse attaquer par les bestioles. Ouais, faut faire attention. Si elles attaquent, elles me détruisent tout. Faut pas que je traîne. Elle est où ma voiture? Elle est là, ok. Heureusement, il la montre. Ouais, là, il faudra que je vois comment je fais. Hein. Peut-être que je casse un peu plus d'arbres. Mais pas trop quand même, hein, ça dépollue. Je vais peut-être ramasser un peu de charbon aussi. J'ai pas encore les fours électriques. Hein. Non. Ils sont où? Ils sont là. On va les faire en suivant les fours électriques, là. Je vais ramasser un peu de charbon. Oh. Oh, quoi que non, je vais attendre les fours électriques. Ça va être long. Ouais, on va attendre les fours électriques. Alors, il me fallait de quoi faire des murs. Et un peu de métal encore. Encore, encore, encore. Viens ici, toi. Hop là. Alors, les pierres sont toutes en bas, sinon c'est pas drôle. Ah, il me faudrait un radar aussi. Ouais. Ouais. Bon, j'aurais pu ramasser ceux qui sont déjà faits éventuellement. Ouais. Je vais ramasser, prendre de ça aussi. Ouais, 260, ça part tellement vite. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de faire encore trop d'aller-retour. Il faudrait que je fasse juste une usine normale, pas besoin de faire une qui est rapide. Les bras, il me faut des petits bras. Ça, il m'en faut beaucoup, 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 beaucoup. Je suis à court de grosses caisses aussi, 1, 2, 3. Allez, ça va être pas mal, je pense. Hein. On verra. Hein. Je vais en profiter pour amener l'électricité. Ah, j'ai 3 pylônes, il faudra que j'en refasse d'autres. Oh, je peux le prendre là? Ouais, ok, allez. Vendu. Prendre la voiture. Hein. J'en refasse. Le problème, c'est que j'ai tout à faire avant. J'en suis où là?
Ok, c'est pas grave. De toute façon, faut que je revienne. Faut que je fasse le retour. Faut que je fasse le retour. Donc, au retour, je mettrai des pylônes. Allez, hop là. On dirait qu'un bulldozer est passé là. Super, je suis en train de faire ça. Pour en mettre deux là. Faut voir les convoyeurs comment je vais les mettre. Un peu bizarre là. Ah, j'ai fait que ça en convoyeur. Ah non, j'en ai refait d'autres. Hop, je vais y arriver. Rien ici, ça déborde les munitions et ça sert à rien. Ok, ça c'est pas mal le convoyeur comme ça. Peut-être me défoncer les arbres là. J'ai mis qu'une épaisseur de mur, mais plus tard il faudra que j'en mette deux épaisseurs. Hein. Voire trois. Hein. Allez, une porte ici. Bon, je sens que c'est pas mal. Je vais fermer là et je vais essayer de fermer ici aussi. Pas besoin d'autant là, voilà. Il aurait fallu une porte là, tiens. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai fermé là, et là, je vais fermer ici. Hein. Je ferme comment? Je ferme là. Ok, c'est fermé ici. Allez, ma foi, ça a l'air pas mal. On va mettre le petit radar. Allez, là, c'est bien, il est bien dans l'angle. Ok, là on va se poser, j'en suis où là? Je suis encore en train de faire des tourelles. Hein. Faut voir si je me fasse pas attaquer comme ça. Normalement ils arrivent de là, hein. Ils arrivent ici, ils vont taper en plein dedans. Faut voir hein, que ça attaque pas là, ce serait gênant en tout cas. Bon, on va anticiper la sortie, peu importe, hein, on peut la mettre, il faudrait que je passe là, que je fasse le tour ou que je passe par en bas. Ça change rien du tout. Allez, on va le mettre là. Allez, là, ça croque bien tout. Ah, je vais le mettre un peu plus bas. Allez, c'est juste pour anticiper. Le jour où on a une panne, hop, on aura juste à connecter. On va pas connecter trop vite. Hein, parce que sinon, on va être embêté. Super, on est en train de faire la horde de convoyeurs. Ensuite, je passe au panneau. J'ai ça. Alors, j'ai dit que je le voulais ici. À peu près. Ce que je faudrait que je fasse... Si je le fasse plus haut là, j'aime pas quand c'est trop bas. Voilà. Ok. Toi, tu vas attraper le métal à peu près. Ah, j'ai dit que j'en voulais un seul. Je sais pas si un c'est bien. Au pire, je fais un petit stock dans des caisses. Ouais, on va faire ça. Allez, regarde, on va le mettre là. Il en a 9000 en plus à lui tout seul. Le four électrique. Ah, je suis en train de le faire. Le four électrique, faut que je le mette à côté, qu'il l'envoie. Alors. Ça va être un peu bordélique parce que je l'ai pas. Il faut que le four, il peut avoir une centaine de plaques sur lui. Donc au pire, j'ai pas besoin qu'il mette dans un... Qu'il mette directement une centaine de plaques. Ça fait 20 chargeurs. Hein. C'est large. Ou sinon, j'anticipe peut-être un coffre. Je mets un bras qui va mettre comme ça. Le four plutôt là.
Le four va être là. Ça va envoyer du métal. Et je vais récupérer le métal tranquillement que je vais mettre dans une caisse. Alors, je ne sais même pas si mon four il va passer. Comme ça, je garde en réserve. Pas besoin d'énormément. Juste ça, c'est bien. C'est ultra large. Les plaques, pas besoin d'énormément. Juste ça. En gros, on va récupérer. Il va récolter. Il va remplir ça. Ça fera de la réserve. Le four va faire des plaques et il va faire de la réserve. Donc, on aura de la réserve là, de la réserve là. Ici, on va être. Enfin, 9000. On est tranquille très, très, très longtemps. C'est pas tout, mais il me faut plein d'électricité. Four électrique là. Ça serait bien qu'on ait à 73%. Ici, on a fait ça, mais il me faut de l'électricité. Ouais, je vais passer comment là? Un peu en plein milieu, quoi. Bon, c'est pas grave, je passe comme ça. Et. Ça a l'air pas mal. C'est des trucs un peu space, mais l'électricité, j'ai pas trop le choix. On est à 81%. On va se mettre les pylônes là. Allez, la voiture. Alors, un pylône, je sais pas trop où le mettre. On va le mettre ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le truc, c'est que je veux pas gêner. Les pylônes ne se font pas attaquer si vous posez la question par les bestioles, et pourraient, hein. Je suis embêté. Je voudrais le mettre là, vers là. Il y a ça qui va me gêner. Juste l'arbre là. Voyons un peu. Allez, la forêt. Oh, j'ai réussi à le poser, tiens. Je pensais pas. J'y arrivais, hein. Et normalement, l'autre est là. Voilà. Génial. Pile. Super, on a les fours. Allez, on va continuer ce qu'on était en train de faire. Et la future potion. On est large, on a le temps d'avancer, de faire nos défenses, d'anticiper plein de trucs. Et si tu tures, hop. Hop, en marche arrière. Et attendez. Youp là. On a l'électricité. C'est juste qu'on n'a pas de munitions. Ça, c'est embêtant, ça. Mon petit doigt me dit que c'est embêtant. Donc, on va donner à manger tout de suite aux bestioles. C'est pas comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que je fais là? Ah, faut que je choisisse d'abord, ouais. Voilà. Hop là. Et là, le bras, tranquillement, il donne à manger à tout le monde. Bon. Est-ce que je peux faire... Ah! Oh ben non. Il manque de la pierre. C'est même pas drôle. On va y arriver, hein. On va y... Le jeu des allers-retours. Heureusement qu'on a notre super petite voiture. On va faire le point, voir ce qui manque. Mais normalement, on est bien en défense. On est bien. On a mis le radar. Faut juste des convoyeurs, j'en ai que 80, il faut que j'arrive jusqu'ici, donc on va se faire du convoyeur. On va se faire du convoyeur à fond. On est comment là? Ok. Juste de ça en fait, hein. Allez, un four électrique, ça prend beaucoup de ressources. Surtout les circuits électroniques avancés qui vont être très longs à faire, que je suis en train de faire. Est-ce que je peux ramasser des convoyeurs déjà tout faits ou faut que je les fasse à la main? Ouais, c'est ça, faut que je les fasse à la main, quoi. Hop, je me suis trompé. Misclic. Allez, ça va être pas mal. Je sais pas s'il y a un moyen de les prendre par 50 ou par 15 ou 20 ou si c'est que tout d'un coup. C'est pas très grave, mais c'est bon de le savoir quand même. Allez, on reprend tuture. Le train, lui, ben, sa façon, le pétrole, on est blindé. Lui aussi, il est blindé. Donc, il va faire plein d'allers-retours. Toutes les 5 secondes, vraiment, s'il n'a plus rien à faire, toutes les 5 secondes, il va faire des allers-retours jusqu'à un moment où il aura besoin
où il va se vider un petit peu et à l'aller, hop, il va à l'aller ou le retour, sur dans quel sens je parle, il va se re-remplir, mais tant qu'on n'a pas une très grosse utilisation. Bon, est-ce que c'est pas trop bête ce que je fais? Un four électrique. Ouais, c'est bien là. C'est juste que à pas grand chose. Ah non, ça marche. Waouh, énorme. Qu'est-ce que je suis fort. Alors ça met dedans, ça met dedans. Lui, il les attrape rapidement, normal, hein, parce que quand ça sera rempli, que tout d'un coup. Là, ça va à la même vitesse. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. On va en rajouter un peu plus, que tout le monde ait des balles. Pourquoi là, ça attrape pas? Ah non, c'est... Ah oui, c'est 10 à chaque fois. Alors, le temps que je donne à tout le monde, faudrait limite que moi, j'en fasse un peu, quoi. Pour aider. En attendant deux. Bon, j'ai connecté tout ça. Là, ça marche bien. Ça marche comme je voulais. Ce qu'on peut faire aussi, on peut l'aider, le four. Hein. On va lui donner à manger, hein. Direct. Hein. C'est où? Ah oui, mais j'en ai pris trop de minerais. Voilà. Ah bah non, ça va même plus vite que le four, il peut fondre. Mais c'est parfait. Ça me va. Donc s'il faudrait, c'est peut-être ici en mettre une centaine. Là, lui donner un peu de balles que j'ai fait. Allez, c'est bon. Là, on est super bien. On est super bien. Je vais m'occuper d'ici. Alors, il faut que je puisse faire ce qu'il faut quand même. J'en mets combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est beaucoup quand même. 12 pour du charbon. On va mettre tout ça ici. Par quel côté ça pourrait se faire attaquer? Par ici. Je ferme là et je mets 8 tourelles. Et en bas, on va croiser les doigts, je sais pas. Je vais fermer là. Ouais, je sais comment je vais fermer. Oh bah tiens, comme par hasard. Comment ça croque, c'est une folie. Alors les tourelles, il faut juste qu'elles puissent englober un petit peu l'arrivée des bestioles qui arriveraient par là. Et là, ça arrive pas, là. Donc, il faut que je fasse des groupes. Je vais mettre par 4. 3, 4, 5. Allez. Parfait, ça. Et qui va donner à manger? Bah, ça va être notre système, hein. Pas le choix. Hein. Le radar, il prend dedans. Oui, large ou là. Plus que large même. Allez, on va être pas mal en système défensif là. Juste me taper un voyage avec les convoyeurs, mais ouais, il me faut plus de convoyeurs. Ah non, 139, j'ai rien dit. Là, on peut le mettre le long si jamais on veut rajouter une tonne de... On va peut-être tourner là. Ouais. Je peux passer où? En bas. Ok. Là, pareil, je peux passer un peu plus à ras. Ok. Ok. Ah, sniff, j'étais presque. Et là, faut que je connecte là-bas. Je pourrais mettre un gros poteau, hein, mais bon. Pff, ouais, on met un gros poteau. J'en ai? Bah, même pas, tiens. On va mettre du gros poteau, ouais. Mince. Ici. Oh, carrément, quoi. Carrément, le gros poteau, il n'y arrive pas. C'est pas loin, en plus, hein. Ah, là, il passerait. Ah, il passe. Ouais, nickel. Ouais, donc là, les munitions, on se tapait le voyage du siècle jusqu'à là-bas, quoi. Là, c'est en train à peine de bosser. J'ai même pas donné des munitions à tout le monde, là. Ouais. Ouais. Après, c'est, y aura pas des attaques qui vont dépenser 1000 munitions. Parce qu'on va tout remplir, là. Au bout d'un moment, ça va se remplir, les munitions. Ça va bloquer ici.
Donc le temps que ça croque, c'est juste que le début il est relou là. Ouais, je suis un mec sympa moi, j'aide. Allez, à fond la caisse. Ouais, génial. Faut pas se faire attaquer maintenant, hein. Oh là 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 là, y a... ça c'est apparu ça, non? On était, c'était là. Ouais, ça va se faire attaquer, c'est un truc de fou. J'ai plus de balles. J'ai même pas de balles pour moi là. Hop, je vais mettre des balles perforantes pour moi. Ok, au moins une mitrailleuse là qui tire. C'est là, c'est l'horreur. Allez, c'est bon. Ce qu'on va faire... Oui, je voulais faire là, avant que la vidéo s'arrête. Le charbon, il part là, donc il faudrait que je puisse en récupérer un maximum à peu près... là. 4, c'est bien. Il faudrait que je casse ça. J'en ai pas là de charbon. Ah, 3000 quand même ? D'accord. Ça croque un peu celui d'en bas en fait. Là, ça descendra comme ça. Oh, on se fait attaquer et casser quelque chose. Ah ouais, carrément, carrément, ça arrive là-bas. Oh, saloperie. Oh, non. Ah, ils m'ont pas cassé les tourelles. Ah ouais, carrément quoi. Alors ça attaque là où je pensais pas en fait. C'est un truc de fou. Partout, je n'ai pas fini de réparer ça. Ouais, ils attaquent même les convoyeurs, tout. Hein. Ok, génial. On va donner des balles. Vu le peu de bestioles qu'il y avait, ah, j'ai bien fait d'être à côté. C'est vrai que c'est un peu long là de fabriquer, mais comme je vous ai dit, là, on va avoir des. Le convoyeur va stocker plein de balles jusqu'à là, quoi. C'est-à-dire que ça va être rempli, donc toutes ces tourelles là auront le stock d'ici déjà en cours. Je peux te mettre... Non, je te mets pas des perforantes, sinon tu vas coincer. Un chargeur, je suis tellement bon et gentil. Bon, là, on verra si ça attaque. C'est qui attaquait? Ben, c'est eux, hein. Faut que j'aille les détruire à coups de grenade. J'ai assez de grenades. J'en ai plus. J'ai plus de grenades. Bon, ben non, je vais pas y aller, alors. Allez, ça va y arriver. Ça va arriver. Ici, il ne reste plus qu'un, là. Ils sont à peine en train d'essayer de se remplir. Il se remplit pas, là-bas? Pourquoi lui il se remplit pas? Il a un bug. Il veut ramasser mais il n'y arrive pas. C'est rigolo. Faut pas le pousser, faut le prendre hein. Non mais allô quoi. Je vais lui rajouter un peu de convoyeur hein, quand même le pauvre quoi. Ça va mieux. Ah bah ça va mieux. J'ai des portes moi. Je vais mettre une porte là, ici, si je veux passer un jour. Même là, hein, c'est un peu l'horreur sinon. Je passe jamais, moi. Allez, ça va arriver. Pour l'instant, c'est des bestioles qui font de corps à corps. Il n'y a pas les bestioles qui tirent. Hein. Quand on va voir les bestioles qui tirent, ça va être chaud. Super chaud. Bon, je vais laisser ça. Je vais peut-être en mettre deux encore. Lui il prend deux cailles et demi. Ouais voilà c'est bien. Sinon faudra tout démonter les convoyeurs. Bon lui il part là. J'ai pas mis l'électricité. Ok. Et là, ah, je peux les faire aller comme ça. Voilà. Ça marche. Et oui, ça fait direct de la pollution parce que ça s'est allumé en fait. Si j'avais pas allumé l'électricité, il n'y aurait pas eu de pollution tout de suite. Ouais, c'est en train d'attraper là. Les chargeurs qui passent là. Tchac, tchac, tchac. Donc super, ça s'alimente. On est bien, faudra surveiller ici. Je sais pas si j'en mets deux de plus. Je vais en mettre quatre là. Comme ça, ici, parce que ça attaquera en diagonale. J'espère que ça va pas attaquer vers là. Dépend des tourelles.
Elle prend ici et l'autre, elle doit s'arrêter là. Ouais, c'est vers ici où il n'y a rien. C'est vers ici où il n'y a rien. C'est un risque à prendre. Je vais voir. On va en rajouter une comme ça et puis c'est tout, hein. Ça me fait mettre des... Ah, les poteaux. Ça fait mettre des poteaux partout, mais c'est pas grave, hein. Là, pareil, c'est en train de recharger celle-là. Ça va aller super vite. Génial. Les poteaux. Allez, parfait. Allez. Deux. J'ai dit que je voulais en mettre quatre. Nickel. Allez. Parfait. Le charbon, j'ai ma petite réserve qui est déjà en train de se remplir. Là aussi. Donc plus tard, je connecterai. J'aurai plus qu'à connecter. Je pense qu'on va être pas mal. Là, on avance super lentement. Pourquoi ? Mince, la voiture est en haut. Faut j'aille vérifier. Là, ça fabrique toujours. Tranquillou. Ça, c'est bien ça. J'avoue, c'est pas trop bête. Hein. À vérifier que ça se passe bien ici. Si ça se passe mal, ben pareil, on aura les alertes en bas. Disant que ça se passe pas bien. Attention aux arbres. Hop là. Bon là, normalement, j'ai plus trop besoin de ces tourelles-là, mais bon, je les laisse. Hein. Alors, comment ça... Non, ça tourne. J'ai rien dit, ça tourne. Voyons les potions. Comment on est. Alors, celle-là, ça se passe bien. D'ailleurs, c'est la même. Là, j'ai les deux autres. Ça se passe bien aussi. Ici. Ici. L'autre qui arrive. L'autre, il y en a... Ça descend jusqu'en bas. Celle-ci, il y en a pareil jusqu'ici. C'est celle-ci. Bon, il y a une petite, juste une petite ligne. Et celle-là, il y a cette ligne-là. En gros, on est super bien. On est super bien. Je me demande s'il fallait pas que je mette normalement des bleus là, celui-là. Parce que là, je vais mettre des bleus dans celui-là. Ouais, parce que c'est lui, il donne à fond la caisse à lui, il lui doit dispatcher. Au moins ça va plus vite. Je préfère. Après là, ça va. Ça va, ça va. L'énergie, on est pareil. Surtout les fours sont bloqués, ils ont arrêté les fours, les foureuses. On a arrêté de travailler parce que voilà, c'est bloqué par le convoyeur. Bon, on est pas mal du tout. Je trouve qu'on est pas mal du tout. Prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est peut-être des grenades. Je voulais faire des grenades, moi. Ce qui me manque encore. Du charbon et du... Ouais, le métal un peu, peut-être aussi. On va aller marcher sur du charbon. On va marcher sur du charbon. Tiens, je te marche dessus là. Hop, 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 hop. Plein de charbon. Et on va faire 42 grenades. Au moins, c'est bien, quoi. Je vais me récupérer un tout petit peu de charbon là. Voilà. Combien j'en ai pris? 16. Bon, ouais. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Ouais. On est pas mal partout. J'ai mon système défensif ici. On n'a pas fermé par en bas. Bon, je vois rien là parce que j'ai pas de radar. On n'a pas fermé là. Ici. C'est le côté un peu risqué de ma défense. Mais les bestioles qui sont là, logiquement, vont venir attaquer là. Mais j'ai pas encore de pollution. Ça génère très peu de pollution, le truc de pétrole. C'est les foreuses qui polluent. Regardez, à peine je l'ai mis là. Brum. En plus, c'est dans le désert, ça se propage. C'est surtout... donc là, on est tranquille. Mais dans le meilleur des mondes, faudrait peut-être fermer un peu là, hein. Fermé avec, je sais pas, deux tourelles, histoire d'eux. Ouais. Dans le doute, ici, là, crac, avec quatre tourelles. Ou deux tourelles avec... ouais, quatre tourelles pour ce que ça coûte, avec 20 munitions dedans, et puis voilà. Je vais toutes les faire, et j'ai plus de métal, c'est pas drôle sinon. Hop, on va se remettre là, mais vu que je suis à côté, héhé, on va aller en chercher. À donf. Hop, je suis passé devant. Bon, ouais, ok.
On va s'en faire un tout petit peu plus, parce qu'il m'en faut au moins 80, plus un peu de balles pour moi, c'est bien, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, les fours, je regarde les fours, ils sont toujours bons. Allez, on va juste finir ça. Je vais devoir utiliser des grenades pour péter un peu la forêt en plus. Hop, entre les poteaux, hop, youp. Bah non, je passe plus là. Ah, c'est pas de porte ici. Dites-moi que j'ai une porte en rab. Ah non. C'est pas grave, je démonte. Hop là. Ouais, je vois rien là. Grenade s'il vous plaît. Je suis un peu dégommé avec. Ouais, je peux fermer un peu comme ça là. Ah non, c'était là que je voulais fermer, je suis bête. Ah, je passe pas. Je suis coincé. Hop. Voilà, on va fermer là. Pour avoir de la visu, je casse ça. Je suis pas à deux arbres près. Hein. Alors, on va fermer. Je peux fermer un truc bizarre hein. Ouais. Bizarre. Je suis en train de faire les grenades, les tourelles, tout ça. Je vais juste supprimer ça. On va remettre un peu de grenades. J'ai dit qu'il m'en fallait combien à peu près. Allez, c'est bon. Ici, ouais, c'est tout. Pas besoin forcément de faire de quoi que j'ai fait une porte. Ouais, je peux en faire une pour voir. Bon, il suffit d'en mettre, de les mettre comme ça. Hein. Oh, j'ai mis du perforant en plus pour une. 3. Allez, au cas où. Vraiment au cas où. Tiens, je te donne du perforant, je suis sympa. Allez, on fait celle-là. Des balles sur moi. Non, on va juste en donner tranquille. Là, bon, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Allez, on va en donner 14, 15. Si j'ai des attaques, j'irai tout de suite et j'anticiperai tout ça. Bon, là on est bien. Allez, j'ai fermé, c'est vraiment au cas où. Ah, j'ai ma porte. Oh, je fais comment une porte là? Ici? Je passe là. Hop là, génial. Et ah ben oui, il faut que je ferme là-haut. Hein. J'ai fait un trou, moi. Les blessures, les cherchent. Hein. Elles ont un trou, elles vont y aller. Bon, on aura passé un épisode entier à faire ça. Mais je me sens vachement plus safe, quoi. Les munitions, ça monte toujours. Et ça déborde où, les munitions, là? C'est en train de déborder ici, là. Hop, à partir de là. Donc, vous voyez, hein, déjà, là... Si ici ça se fait attaquer, ils ont de la réserve. On est bien. On s'est pas refait attaquer. A priori, c'est toujours les mêmes cadavres. De toute façon, ça nous fait une alerte hein, si des tourelles attaquent quelque chose. Donc on va voir ça. Allez, on va reprendre la voiture. Bon, on est prêt pour ça. Voilà, c'est fait. Et on a fermé. On a complètement fermé ce passage. Par ici, je pense qu'on est safe. Je sais pas si dans le meilleur des mondes, il faudrait que j'anticipe hein, quelques tourelles ici. Un petit blocos là, avec des tourelles juste ici. Parce que je vois pas les bestioles faire le grand tour. Non, elles sont fermées là. Prochain épisode, on va juste faire un petit truc. On met 4 tourelles ensemble avec des balles dedans, une vingtaine de chargeurs dedans. Juste ici. Je pense que ça va le faire. Et si on se fait attaquer, on le verra. Allez, je vous dis au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire. À bientôt.